Alors, on va essayer de vous expliquer ce qu'est le stress. Vous allez voir, c'est super simple. Tout d'abord, on pourrait croire que le stress, ça n'arrive que lorsque quelque chose va nous paraître compliqué, insurmontable, difficile. Eh bien non. Le stress est en fait un phénomène naturel, qui permet à l'organisme de s'adapter aux situations du quotidien. Il n'est ni positif, ni négatif, et surtout diffère d'une personne à une autre. Il est même jusqu'à un certain point nécessaire et très bon pour le corps. Ce qui ne va pas être bon pour nous, c'est sa fréquence et son intensité. Ça vous surprend ? Vous allez comprendre avec ce petit schéma. Là, notre performance, ici notre niveau de stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress suit une courbe en U inversée. Pas ou peu de stress, je ne suis pas performant. Vers le sommet du U, je le suis. En revanche, un stress trop long ou trop intense et je perds en performance, je perds mes moyens. En fait, le stress se décompose en trois phases. La phase d'alarme, la phase de résistance, puis la phase d'épuisement. Prenons l'exemple d'un stress intense. Aujourd'hui, nous sommes dans un bateau avec un capitaine. Tout va bien, il est détendu, tout se passe bien. D'un seul coup, un voyant retentit, puis deux, puis trois. Il ne peut plus tourner la barre, et bien évidemment, un récif est droit devant. Lors de la phase d'alarme du stress, le corps du commandant va se mettre en action. Tous ses sens, sa force et son attention vont être mobilisés pour essayer de trouver la cause de son problème ou surtout trouver une solution pour que son bateau ne fonce pas sur les rochers. Nous pouvons dire qu'il est dans la phase du U qui monte. Ensuite, s'il ne trouve pas rapidement les pourquoi et une solution, il va entrer en phase de résistance. L'état d'alerte va se maintenir, son corps continue à résister, le commandant peut encore sauver son bateau. Enfin, vient la phase d'épuisement. Le corps n'a plus les ressources pour répondre à la situation. Et là... Vous l'aurez compris, phase d'alarme, de résistance, puis d'épuisement, pour un stress intense, cela est clair. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la fréquence du stress peut aussi conduire à la phase d'épuisement. Exemple, une période d'examen, beaucoup de contrôles qui s'enchaînent, notre étudiant se met à réviser. Vous êtes maintenant des experts et vous avez reconnu la phase d'alarme du stress. Ce sont les grosses révisions, beaucoup d'heures de travail et une fatigue qui commence à se faire sentir. À cela, on rajoute une compétition sportive, une dispute avec un ami. Les stress s'accumulent, mais le corps tient encore. Notre étudiant est dans sa phase de résistance. Si toutes les réponses à ces facteurs de stress ont été trouvées, le corps retrouve son état d'équilibre. En revanche, si ce n'est pas le cas, c'est alors la phase d'épuisement qui arrive avec des conséquences sur la santé. Une fatigue excessive, un sentiment d'anxiété persistant, des symptômes dépressifs, une baisse de l'estime de soi. Donc attention, un stress répété ou excessif peut devenir nocif. Vous allez me dire, oui, ok, on a bien compris, l'alarme, la résistance, l'épuisement. Mais alors, qu'est-ce qui fait que lui ou elle ou lui vont réagir différemment à une même situation et que leur stress sera différent ? Tout simplement parce que le stress est un phénomène naturel qui se manifeste à travers notre corps, nos émotions et nos pensées et que chaque personne est unique. Donc il n'y a pas de règle, il faut juste savoir repérer les situations qui nous stressent, les manifestations de ce stress, éviter de tomber dans la phase d'épuisement, seule phase dangereuse pour notre santé, et ainsi essayer de vivre le plus sereinement ces situations de stress. Voilà, vous savez tout.